Allez, une première course, 16 partants, c'est un peu le chiffre du jour hein, dans les premiums, 3 fois 16 partants. Il y a Aradjan qu'il faut bien sûr racheter, qu'il ne faut surtout pas retenir sur sa dernière performance. Pas enlever son petit gyrophare, l'autostart. Allez, on se range derrière la voiture. Golden de Jana au centre de celle-ci devrait partir très très vite. Tout comme Ardine Maï qui ne manque pas de vitesse en partant. Côté corde, Aradja. Et peut-être le plus rapide avec l'as, un Gatsby d'Omblay qu'on a vu réveillé par Francis Nering au niveau des hits et des canters. Allez, tout le monde à sa place. La cote coupée en deux hein, pour Golden de Jana par rapport à ce matin. Ah, le 9 qui a failli faire la faute côté corde. C'est parti le 8 qui fait la faute à l'extérieur, qui perd beaucoup de terrain. Le meilleur départ pour Green du Pomereux avec Golden de Jana, avec également à l'intérieur le numéro 3 Aradja qui part très vite comme à son étude mais qui va besoin d'avoir un parcours caché. Et à l'extérieur il y a le numéro 6 qui va se rapprocher, le 6 Cyrina Dera qui va sans doute se rabattre devant Aradja dans quelques instants. Disqualifié le numéro 9, Isis Démon a également loupé sa mise en jambe avec le numéro 8 Ardine Maïm qui n'est pas encore disqualifié. Le favori voyage à flanc de peloton sur le numéro 7 Yvonne de Giel. On prend le commandement à l'instant avec le numéro 6 Irina Derac. On prend le relais du numéro 3 Aradja. On est bien placé également en 3-4e position avec Green du Pomereux. Le numéro 4 suivi par l'as Gatsby d'Omblay. Plutôt côté corde dans son sillage, on retrouve côté corde également le numéro 2, Hiro de Lona. Le favori a esquissé un temps de galop, il s'est retiré, mais il revient à la charge. Ouais, il revient en dehors, hein, le favori, Christophe Depeut, il l'a vu venir. Alors, il ne va pas rester dans le dos d'Oliven Canard, il va prendre la tête à Aradja et il va laisser passer Yvonne Giel. Il sait qu'Yvonne Giel est sans doute le cheval de la course. Donc, le 3 en tête, Aradja, Yvonne Giel qui vient à l'extérieur. En troisième position, le 6, Irina Derac. Un peu plus loin, il y a Green du Pomereux qui est plutôt à l'extérieur. Côté corde, il y a ce Gatsby d'Omblay qui est bien placé sur une troisième ligne, quatrième ligne composée de Hiro de la Luna, le numéro 2 avec également le numéro 5 Golden Jana, les concurrents de la première ligne qui sont tous là. On se rapproche néanmoins avec le 14 dans le sillage du numéro 5, le 14 c'est Golden White. Aradja l'a laissé faire le favori qui prend le commandement à présent sans forcément forcer son talent, c'est Yvonne Giel au commandement suivi par Aradja, troisième place côté corde pour Irina Derac accompagnée par Green du Pomereux, Gatsby d'Omblay ensuite toujours côté corde, Golden Jana quelque peu réveillé par Franz Van de Putte et suivi par Golden White dans sa progression et on quitte l'arrière notamment avec le numéro 16 Adès Uteis qui tente quelque chose en épaisseur. Les favoris sont aux avant-postes pour l'instant avec Yvonne Giel qui contrôle la situation, qui a mis un coup de frein là dans le peloton. Dans son sillage, il y a Aradja numéro 3. À l'extérieur, Green du Pomereux qui se rapproche. Le 4 avec toujours sur une troisième ligne le 6 Irina Derac. Et puis tout à l'extérieur, des concurrents qui essayent de faire le tour à l'image d'Adès Uteis. Yvonne Giel qui réaccélère pour le dernier passage de la ligne d'en face qui emmène toujours sur un plateau le numéro 3 Aradja. Adès Uteis qui continue sa progression à l'extérieur. Green du Pomereux qui semble déjà fatigué, tout comme Golden de Jana qui est décalé. Golden White attend son heure. Aradja a le super parcours côté corde suivi par le 6 Irina Derac. Quel effort hein, d'Adès Uteis qui est venu des derniers rangs pour venir en deuxième position. Pour l'instant, Yvonne Giel contrôle la situation dans son dos. Aradja à l'extérieur. Adès Uteis ensuite sur une troisième ligne. Le numéro 6 Irina Derac avec Golden de Jana. Derrière, ça ne revient pas trop avec Golden White qui est un peu forcé à faire l'extérieur. Le favori qui va toujours très très bien en tête de course, c'est Yvonne Giel sous la pression d'Adès Uteis qui est sollicité. Golden Jana s'annonce pour les places. Aradja va devoir trouver l'ouverture côté corde. Elle est plein de ressources. Irina Derac également termine bien avec Hiro de la Luna. Aradja au galop qui a fait une petite faute. L'ultimier droite avec toujours le numéro 7 qui a l'avantage. Le 16 en pleine piste et tout à l'extérieur. Golden Jana qui vient de plus en plus fort. Golden Jana qui va venir attaquer Yvonne Giel. Yvonne Giel, Golden Jana. Yvonne Giel, Golden Jana tout à la fin. Le 5 qui va s'approcher devant le 7. La 3ème place pour le numéro 3. La 4ème place à voir entre le 2 et le 16. Sous réserve de photographie, le 3 a été disqualifié après sa faute. Hein. Donc on oublie le numéro 3. Bien vu Sébastien qui me faisait un grand signe. Donc le 5 s'impose devant le 7. Et puis derrière, on aura une photo entre le 2 et le 16. C'est bien ça, Xavier. Golden de Jana était très très malheureuse l'autre jour. Elle s'est rachetée aujourd'hui avec Franz Van de Putte à son sulky. Elle s'impose facilement en qualité de finisseuse. Deuxième place pour le numéro 7, le favori Yvonne Giel qui a très longtemps animé l'épreuve. La troisième place est plus serrée. On va revoir sur le shutter, sans doute pour le numéro 2, oui. Hiro de la Luna. Bon finisseur devant Adès Uteis, le numéro 16 qui est resté au trot aujourd'hui, qui prend la 4ème place et 5ème place pour le numéro 6 Irina Derac. Voilà, 5, 7, 2 et 16, on revoit cette ligne droite, la petite faute du numéro 3 hein, Aradja dans la zone fatidique, d'où sa disqualification. Le 5 qui vient en pleine piste avec Franz Van den Putte, déféré des cales, Golden Jana qui vient mettre eh bien, sa tête, même un peu plus hein, un Franz Sulky au passage du poteau. 5, 7, 2 et 16, arrivée de cette première course Manuela.